un atelier de formation et de sensibilisation relatif à la gestion du statut de réfugié dans la région de l'IGAD ainsi que du cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés s'est ouvert aujourd'hui dans la région d'Arta. Cet atelier de 3 jours mobilise des experts et des cadres de l'IGAD, des membres des forces de l'ordre comme la gendarmerie nationale ou encore la police nationale, aux différents points d'entrée, sites de refuge, ainsi que des responsables et des techniciens de l'office de l'ONARS. Dans son discours, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workney Gebeyehu, et Mme Fadhia Abdourader Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD, ont déclaré que cette formation de 3 jours, tant sur le plan du contenu ainsi que dans l'approche de la méthodologie, est indéniablement d'une utilité pratique pour tous les agents de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés. Et nous savons donc, ont-ils poursuivi d'emblée, l'importance des responsabilités qui reposent sur les épaules dans l'accueil et la protection de ces personnes qui ont fui les guerres et les persécutions. Djibouti, aux premières heures de son accession à la souveraineté nationale, avait accueilli déjà pour la toute première fois, c'était en 1978, des milliers de personnes fuyant des guerres opposant ses deux principaux voisins avec lesquels elle partage des centaines de kilomètres de frontières communes. Et depuis cette date, conformément à ses traditions hospitalières, Djibouti n'a jamais dérogé aux principes universels et internationalement reconnus dans la protection des réfugiés. Cet atelier n'est pas un atelier comme de coutume. C'est un atelier où on doit tous ensemble, en sortant d'ici, être des ambassadeurs. Des ambassadeurs pour pouvoir transmettre aussi aux autres. Former aussi d'autres personnes pour pouvoir aider à continuer dans le droit légal, dans l'inclusion. Parce que notre nouvelle politique, c'est l'inclusion et la protection sociale. Et c'est important d'avoir la directrice ici, parce que la protection sociale est une des priorités du haut-commissaire Filippo Grandi. Et c'est pour cela qu'on est ici, pour que ce soit fait dans les normes avec vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut, pendant ces 3 jours, pas seulement aujourd'hui, il faut que tous, on apprenne avec les experts les droits et devoirs des réfugiés et maîtriser les défis qui sont l'enregistrement continu. Pour nous, c'est crucial, bien entendu, et savoir comment on le fait dans les normes de l'éthique, de l'intégrité, pour être sûr qu'on a un dossier qui est vraiment très, très transparent et propre. Et j'insiste là-dessus pour qu'on soit tous des ambassadeurs de cela. Je félicite aussi l'ONARS. L'ONARS qui est notre contrepartie et qui est toujours le fer de lance, qui nous permet toujours d'avancer. Et j'étais hier avec l'ONARS à Alice-Abier et je dirais qu'à chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est bien d'avoir une contrepartie qui connaît, qui maîtrise bien la protection internationale. Pas seulement la loi de 2017 qui permet les accès, à part le vote, mais les réfugiés ici sont, je dirais, au paradis. Et je le dis souvent en souriant que quand Allah est en train de dessiner l'Afrique, il était de bonne humeur quand il a dessiné Djibouti. Et je pense que Djibouti est un bon exemple. On dit souvent Djibouti est entouré de géants. Mais le géant des géants dans la politique d'asile, c'est Djibouti. Tout le monde vient où ?